Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un petit message intemporel. Donc on commence tout de suite avec l'oracle des miroirs et on va regarder un petit peu le message qu'on veut bien vous transmettre. C'est parti. On vous parle de temps, on vous parle de lenteur, on vous dit qu'il peut y avoir pour vous actuellement des projets qui prennent un petit peu de temps, il peut y avoir pour vous un petit agacement par rapport à ça. Alors on continue et on va regarder un petit peu ce qu'on a. Quelques retards, quelques blocages peut-être par rapport à un projet qui vous tient à cœur. On vous dit qu'il y a une satisfaction avec la carte de la joie, on vous dit qu'il y a une satisfaction à venir pour vous par rapport à ce projet. Il faut encore un petit peu de patience par rapport à ça. Donc on va regarder la suite, on va voir si on peut en savoir un petit peu plus sur ce projet qui tarde à se mettre en place. On vous dit qu'il y a une ouverture qui va vraiment vous faire plaisir, il y a une porte qui s'ouvre pour vous, il y a quelque chose qui va se mettre en place et qui va vous permettre vraiment de trouver un nouvel environnement, parce que comme vous pouvez le voir sur cette carte, vous avez derrière cette porte une maison, c'est-à-dire que vous allez retrouver un environnement et un contexte qui va vous permettre de vous équilibrer. On vous dit qu'il y a de nouvelles opportunités et un coup de chance. Donc pour moi, par rapport à cette carte de lenteur, par rapport à cette lenteur sur ce projet, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va se débloquer d'un coup. Peut-être à un moment où vous n'allez pas vous y attendre. On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. On vous dit que vous allez y voir beaucoup plus clair et que vous allez pouvoir vraiment être guidé, qu'il y a votre intuition qui va se mettre en place et vraiment vous allez être guidé par rapport à ce nouveau projet et à sa réalisation. On vous dit que la roue tourne enfin pour vous, alors qu'il s'agisse d'un projet financier ou pas, on vous parle d'abondance à venir et on vous dit vraiment qu'il y a un déblocage par rapport à cette situation. On va regarder maintenant avec le tarot manga et on va regarder un petit peu ce qu'on veut bien vous dire par rapport à ce projet qui se débloque pour vous. On vous dit que de nouvelles émotions vont se mettre en place. Donc on est sur un nouveau départ et on vous dit que c'est quelque chose une chose à laquelle vous aspirez depuis longtemps. Mais on est vraiment sur des balbutiements, mais c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Alors on va voir la suite de ce message. Voyez, on passe du valet au roi. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va se placer et qui va vous permettre de trouver une assise par rapport à ce projet. Donc, franchement, si vous rencontrez des blocages, des lenteurs par rapport à un projet, sachez que ces lenteurs sont temporaires et qu'il y aura pour vous un déblocage. Je voulais vous dire aussi que j'ai mis en place sur mon site rosdiamedium.com une nouvelle façon pour vous, un petit format pour pouvoir me consulter. Donc, vous pouvez me prendre une question précise et vous recevez la réponse par vocal. Donc toutes les modalités de règlement pour ce petit format se trouvent sur mon site rosediamedium.com. Allez, on continue et on va regarder un petit peu le message des portes de l'intuition. Une nouvelle page, on vous dit de vous préparer au changement, on vous dit que vous allez pouvoir écrire un nouveau chapitre de votre vie. Donc vraiment, dites-vous bien qu'il y a des blocages qui vont être levés pour vous. Et on vous dit aussi de garder à l'esprit votre objectif, d'accord, votre but, de ne pas vous laisser décourager par les retards que vous pouvez rencontrer. Voilà, c'était le petit message intemporel. J'espère que ce message vous parlera. Vous pouvez me suivre sur tous mes réseaux sociaux et comme je vous l'ai dit, vous pouvez aussi me consulter avec le nouveau format que j'ai mis en place pour vous. Et surtout, prenez soin de vous, croyez en vous et à bientôt. Au revoir.